Hier soir, on a assisté à deux Game 7, moment où on enregistre, nous sommes lundi soir, euh, et, donc, et donc deux victoires à l'extérieur, Indiana a battu New York, on aura le temps d'en discuter, mais surtout l'upset extraordinaire des Wolves qui sont allés s'imposer dans un grand grand match, dans une deuxième mi-temps extraordinaire sur le parquet de Denver. Donc Erwan, la grosse info c'est que le champion est tombé, c'est la première chose qu'on a envie de raconter. Ouais, c'est le champion est tombé. C'est toujours c'est toujours un événement dans les playoffs quand un quand un champion tombe, même si on a l'habitude, ça fera la sixième année qu'il y aura un nouveau champion. Mais honnêtement, c'est vrai qu'on avait on avait cette sensation depuis le début de l'année, depuis même le, la fin de saison régulière, même sur le début des playoffs, de se dire que finalement. Denver était le, le, son, son grand favori à sa propre succession et donc Denver, Denver est tombé dans une série avec énormément de rebondissements. J'ai rarement vu quand même une série avec autant de rebondissements perdre les deux matchs, euh, les deux premiers matchs à domicile, aller gagner les deux d'après. Aller gagner de nouveau chez soi, mener alors que tu as, as été mené de 0 et puis, et puis complètement explosé dans cette, fin de, dans, dans, cette fin, dans, dans cette fin de série, notamment ce match 6 qui n'ont pas joué, et puis cette deuxième mi-temps où là il y a beaucoup de choses à jouer. Donc euh, énorme, énorme crédit à cette jeune équipe des Wolves, à ce jeune projet des Wolves qui, bah, déjà dans sa construction, c'est que sa deuxième année, sauf le champion en titre. Ouais, la, la grosse info, c'est que les Wolves retournent en finale de conférence 20 ans plus tard. Mmh, on avait le même jour, c'était un 19 mai. Tout à fait, le, en, en 2004, à l'époque, on était beaucoup mai. plus jeune. D'ailleurs, 19 mai, je n'ai pas reçu de message. De... Pourquoi tu... ce qu'elle dit non C'est ma fête. Ah ouais C'est la saint -Yves. Yves. Ouais mais moi tu sais que je ne fais... je parle pas, je suis pas bilingue moi donc euh... je ne peux pas encore parler breton mais promis je veux progresser. Ça rien à voir avec la Bretagne. Ah, euh, ah bon, <laughs> Allez, bon Très bien. Et, euh... Oui donc 20 ans plus tard on s'en souvient Sam Cassel, l'attrait de -Well, euh, Kevin Garnett qui... qui avait battu les Sacramento Kings. -Well. C'est exactement ce que je viens de dire. Pardon. Oh, ça va être une longue émission, Allez. Hein. Oh la je <laughs> j'ai quand même de dire Kevin Garnett Sam Cassel <laughs> Donc, euh, ils vont en finale. Euh, J'ai adoré Caranton-Utahouns qui a dit euh, bah, Nous, ça fait 20 ans qu'on est dans la loose euh, etc. On n'arrête pas de perdre. Bah Oui, c'est aussi notre moment. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti dans cette deuxième mi-temps. Disons-le, la première mi-temps était totalement dominée par les Nuggets. On a vu euh, euh, Jamal Murray qui met ses 24 points. En... Enfin, c'était juste un match normal des Nuggets dans un match coup près. Je les imaginais rouler sur les Wolves. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais j'aimerais que tu me parles déjà de, de Stantam et de. Ouais J'imagine que c'était comme moi, il y a plus 20, ils ont gagné le match quoi. Moi, j'avais l'impression, en tout cas, de, que c'était une équipe des Nuggets qui était sûre de leur force. Sûre de leur force après, avoir, après ne pas avoir joué un match de play-off, le match 6, ils n'ont pas voulu le jouer. Je me suis dit, ils sont quand même, euh, ils sont sur deux quand même. Un champion en titre qui va prendre 40 dans un match 6 45 Dans un match 6 d'une série de play-off de, de demi-finale de conf. Je me dis, ces mecs doivent être sur deux. Et c'est vrai que la première mi-temps euh, ben, leur donne raison, hein. une belle maîtrise. Je vois des, 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 des Wolves qui qui sont encore une fois combatifs, qui sont dans, avec un plan défensif. On vient attraper Nico euh, Jokic, on fait des choses. Mais en tout cas, je vois une équipe qui est plus forte, qui maîtrise son, qui maîtrise son sujet. Et je me dis, bon, ben, putain, en fait, c'est vraiment une équipe qui joue quand elle, elle est tellement au-dessus qu'elle peut dérouler. Le problème, c'est que le basket, ben, quand on écrit les scénarios avant, ben, des fois, on peut être surpris. Et, euh, et voilà donc oui la première mi-temps elle est parfaitement maîtrisée par les Nuggets il y a de toute façon deux visages hein, bien sûr dans ce match je vais aller chercher quelques stats alors déjà le, le score ils sont à 53-38 euh, d'un premier mi-temps mais ils sont dominants sur tous les aspects importants du basket d'abord les rebonds donc euh, à la mi-temps il y a 29-18 en faveur de Denver le pourcentage aussi ils sont à 45% au tir 33% à 3 points euh, là où euh, les, les, euh, les Wolves sont à 31% d'ailleurs tu le ressens ils mettent pas un panier les prises à deux sur euh, Antonio Edwards marchent à merveille à un moment donné je me suis dit alors, les prises à deux, quand tu es intelligent, tu fais une passe et c'est les autres qui doivent euh, décider. Mais quand tu es aussi fort, tu dois trouver un moyen d'avoir de, de l'impact dans un match. Et sur la première mi-temps, jusqu'au tout début du, du troisième quart, Anthony Edwards, il n'arrive pas à avoir d'impact dans le game. Bah, il n'a pas d'impact offensivement, parce que défensivement, quand ah, même. Bah, je parle euh, de l'attaque, là, c'est sûr. Euh, <laughs> mais je trouve qu'il a l'intelligence de ne pas forcer quand même. Et malgré tout, ça maintient ses coéquipiers dans un dans le match. Je sais pas, non. Je sais pas si Pour je moi, ce, ce qui les maintient, c'est que 48 ans, est magnifique. Ouais, 48 ça, 18... ça vient d'ailleurs. Enfin, il est Genre... magnifique, ils sont venus de 20 points quoi, au bout d'un moment. Oui, mais c'est ça là... qui… Il... Bah, il est très, très bon. C'est lui qui les maintient dans le match. C'est Daniel McAdams qui les... qui les tient dans le match c'est pas oui, la oui, performance Marc, Marc, Edwards, vous voulez vraiment oui, oui, oui. il est très bien pris non mais, mais saute, justement hein. parce que McDaniels Daniels brille parce que McDaniels, il a des tirs parce que euh, Edwards va le trouver c'est pour ça qu'il maintient les mecs c'est ça que je te dis qu'il maintient euh, Carleton tonnes il a des ballons parce que parce que parce, parce, parce que qu sont pas... seul, il faut bien marquer hein, oui d'accord euh... donc mais il aurait pu forcer comme, comme 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 tu semblais vouloir le mais moi je pense quand même que les là, Pour moi, stars... il a attendu son moment mais le parce est, que c'est le... tombé du bon côté le voilà, je serais tombé sur lui très de manière très énervée s'il n'y avait pas eu cette deuxième mi-temps qui reste extraordinaire tu vois il met ce step back à trois points à la fin troisième il met il met un tir ouais, ça, a... tard, ça oui c'est tard mais parce qu'il a il a su attendre son moment c'est une parce forme d'intelligence ah oh, non mais oui non mais attends, de toute façon je vais être là dit en je, je te dis simplement que si il n'y avait pas eu ce momentum incroyable qui mmh. part qui pas un petit peu de lui je vais pas tout lui enlever il arrive enfin à trouver de la course il met deux dunks des interceptions ou en défense il arrive à se retrouver ce tir euh, euh, dans, à la fin du troisième qui est important mais avant ça il fait des airballs des trucs tu dis waouh wow, ouais, ouais, il s'est ouais. fait complètement non, avoir et donc ré... si ça se per... si t as, t as, le match avait perduré dans ce sens-là complètement sans le déclic raquette shocker euh, ah, euh... Oui, bon, peut-être pas. Non, mais, là, Joker, là. mais en tout Joker, clair, on aurait dit en ça. Tout cas, il... Et toutes les superstars, il y a des prises à deux sur eux. Hein. Il fait, le, la, le milieu du troisième carton, il fait un match où on se dit, bon, bah, on les a déjà vus 20 fois, les superstars, faire des matchs comme ça, c'est un match de craquette. C'est un match, il... tu terrible. passes au travers, tu pas là au bon rendez-vous. Match 7, on va commencer, et on dit de toi Jordan, de... Jordan, gna, gna, gna. Bon, c'est vrai, jusqu'au troisième carton, il y a ça. Mais lui, dans son body language, dans sa manière d'être, je ne je l'ai pas trouvé down. J'ai trouvé qu'il est qu gardait toujours cette, toujours cette attitude très positive. Mais il était, il était dans le dur de l'adresse. Hein. Il est à 4 points au euh, milieu du troisième quart temps encore. Hein. Attends, je... Tom me, me pose des questions en plein truc. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais ce n'est pas grave. Euh, restons donc là-dedans avec Jamal Murray qui est très très bon. Un euh, premier Kitsch. Qui est très très bon en première mi-temps, bien sûr, avec, euh, avec, euh, avec Jokic qui est archi dominant au rebond. Il a du mal à trouver de l'adresse, on le trouve un petit peu euh, poussé. Et puis donc, on, on lisait disait, il y, a, il y a une espèce de déclic complètement fou dans le troisième quart où enfin la défense se met en place côté, côté Wolves. Enfin, il trouve de l'adresse. Parfois, le basket, c'est vachement simple. C'est-à-dire que tous les tirs ratés en première mi-temps des Wolves ont commencé à rentrer et tous les tirs marqués de Denver, dont ce Jamal Murray, des grands tirs ouverts, des step-backs hyper difficiles, ont commencé à rater. Et d'un coup, on est passé de plus 20 à plus 10. Ça n'a pas duré longtemps, le plus 20. Moi, pour moi, il y a un, il y a un, vrai, un vrai virage décisif dans ce match-là. C'est le milieu du troisième quart-temps. Parce que Minnesota, c'est une équipe qui défend bien. C'est la meilleure défense de la Ligue. Et forcément, à un moment donné, ils allaient avoir une, une séquence où ils allaient pouvoir faire des stops. Et ce à quoi Denver, et notamment Jamal Murray a répondu de la pire des manières. Ce que fait jamal Murray en deuxième mi-temps, c'est un truc qui, est, je trouve, pour un joueur de sa stature, qui j'ai été très surpris, pour pas dire déçu, de la gestion de jamal Murray euh, au moment où les où les, où les, où les Timberwolves font, un, font un, rapproché, un rapproché à 10 points. On n'est pas encore... Euh, mais le fait qu'il revienne à 10 points et que très rapidement, il se retrouve à 3, 4 points ou à une possession... C'est la faute de Jamal Murray. Il veut plus, il veut monter la balle malgré tout. Il perd des ballons sur la remontée de balle. Il prend des tirs en moins de 10 secondes, des tirs ultra compliqués. Il coupe complètement Ron Gordon du jeu. Il coupe complètement Michael Porter du jeu. On ne retrouve plus, euh, cette, on ne retrouve plus le, 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 le jeu de, de la patience, la lecture des nuggets. Il rentre dans un délire et il perd des ballons d'une manière qui font extrêmement mal à cette équipe-là et il redonne il redonne de l'espoir au Timberwolves et à partir du moment où les Timberwolves disent mais en fait on, peut, on a été mené vers mais là on peut le faire là le momentum on l'a et ben voilà ils l'ont eu et ils, vont, et ils vont prendre ce match je n'ai pas compris pas compris du tout la, la gestion de Mc Malone et de, et, de, et de Jamal Murray. Tu on préférait quoi parce que... bah On l'a dit sur, sur les deux premiers matchs, mm -hmm. il galère sur les montées de balles, il prend des grandes pressions. Qu'est-ce qu'on fait On fait monter Aaron Gordon, on fait monter Nikola Jokic et lui, on va le retrouver un peu plus tard dans les attaques. À un moment donné où ils prennent feu, les, les, les Tim et que Jamal Murray est sous énorme pression quand il perd le ballon là dans le dribble. Hé hey, Ça a marché pour Moi, c'est ça qui me, qui me dépasse. J'ai eu l'impression qu'il a voulu faire un peu le héros, qu'il a voulu prendre la place du calife à la place du calife, être le calife à la place du calife plutôt, et que. Moi, honnêtement, j'ai trouvé sa gestion dans, dans, dans un moment faible des, des, des Nuggets où il fallait mettre la main sous la balle, il fallait aller provoquer des fautes, il fallait appuyer sur Nicolas à l'intérieur. J'ai trouvé, je l'ai trouvé, euh, trouvé, il a joué complètement l'inverse. Il prend ses step back à reculons. Oui, mais là, tu t'es pas, pas dans un bon moment pour toi. On a pas besoin de, ils n'avaient pas besoin de ça là, à ce moment-là. Ils avaient besoin de trouver, de casser un rythme. Alors, lui, dans le, dans le rythme que mettait euh, Minnesota, il aura. Encore mis plus de rythme. Je, franchement j'ai pas compris ce qu'il a fait. Je sais pas, enfin de toute façon le, le résultat va dans ce sens-là de toute manière, mais j'ai quand même la sensation que eux. Ah Nico est là bah, Super Salut Nico, tu nous entends Oui, je vous entends, vous m'entendez Ouais ouais très bien. On t'entend très bien. Comment ça va Ça va et vous Ouais, un peu cap, t'es où Tu Là à la maison, tranquille Ouais à la maison ouais. <laughs> très bien. Bah écoute, tu nous entends parler depuis tout à l'heure Oui, je en vous entends, ouais. Je parlais bon, de des des Minnesota, c'est ça? <laughs> On tout va t'intégrer tout de suite. On, on, aura, on discutera un petit peu de, de, de ce que tu fais, etc. Mais là, on est à fond dans le débat et c'est passionnant. Tu as vu le match hier soir, j'imagine, euh, te connaissant. On était en train justement de parler de, de ce moment, ce déclic, là, le fait que bah, soit les Nuggets ont complètement déjoué, soit les Wolves ont réussi à augmenter le niveau. C'est sûrement un petit peu les deux. Dis-nous hein, ce que tu as, toi, perçu euh, dans, dans ce troisième quart-temps qui a tout changé. C'est bah, ça ça a a été une été intensité, je pense, défensive de. De Minnesota, ils ont trouvé la clé pour stopper Jamal Murray, qui faisait une première mi-temps exceptionnelle. Je crois qu'il met 24 en première mi-temps. Un truc Et comme ensuite, ça. Ouais, ils, ils ont trouvé. Le... Lui, ils ont trouvé la. Enfin, je crois qu'ils ont fait un changement où c'est, je crois, c'est Edouard aussi qui s'est mis en mode défensif sur lui parce qu'en attaque, il a rien qui passait pour lui. Et voilà, euh... ouais, a... ils ont Tintin été... c'est très très fort, McDaniel, a était très très fort. Et je trouve que ce qui a changé aussi surtout sur le deuxième mi-temps, c'était l'apport du banc. Parce que je trouvais que le banc des fois de Denver était peut-être meilleur et plus impact que celui de Minnesota sur certaines séquences. Sauf que là, les mecs du banc de Minnesota, ils ont clairement dominé deuxième mi-temps. Et ça a été la clé en... pour Minnesota. C'est vrai qu'il y, y a quand même... Tellement de moments importants. Donc oui, une fois qu'il y a le, le comeback de Minnesota où bah, il s'offre une fin de match, c'était quand même ça l'enjeu de cette deuxième mi-temps, mmh. arriver dans un Game 7, à être à un tir, une possession de battre Denver. Il y a quand même un espèce de changement des, de réussite. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de réussite sur les moments clés. Quand je dis les moments clés, c'est Towns est magnifique. Rudy, on va en parler, mais ce, ce fade-away c'est le plus deuxième, grand tir. C'est le deuxième, plus deuxième, grand tir. Il est extraordinaire. Fait dans un deuxième, il fait une deuxième mi-temps énorme. Extraordinaire. En fait. il, est cible, il est recherché. Il va sur la ligne. Il met des lancers. Il prend des gros rebonds. Et il met donc ce tir mm. qui est le tir d'une vie. Hein. Vraiment, je pèse mes mots. C'est le tir d'une vie. Un hein. fadeaway. Fin des 24 euh, en se tournant vers la droite. Euh, C'était incroyable. Je rajoute à ça que Thames, en moment, il est, il est en, en fall showboy. C'est la cinquième faute. Nazrid rentre. La rentrée de Nazrid défensivement Erwan. Extraordinaire sur Jokic. Mais c'est là, là les ajustements aussi du côté Minnesota on se souvient que dans le match 3 ou 4 euh, il me semble que c'est le match 4 euh, Nasri ne joue pas du quatrième carton et on s'interroge et eh bien le match 7 il est un des, un des facteurs euh, quand carl Anthony Tan sort pour un problème de faute il est le mec qui va défensivement aussi stopper kill sur 2-3 séquences mettre des grands tirs amener de l'impact c'est voilà j'ai l'impression que, que Minnesota a aussi gagné par rapport à, au choix des hommes à des moments clés peut-être qu'après ils avaient plus de choix aussi parce que dans cette série, le banc de Denver nous a paru pas trop mal. Euh, Justin Holliday qui avait amené des choses. Qui était été bon matin, était pas... Il était ouais, bon dans le match. Il était pas vrai, trop il est mal, est mais bon, ça, ça paraît un peu… Un peu Reggie Jackson, bon, il est là sur le match 7, il est redevenu un peu… Un peu... Bah, euh, pas le, pas, bon le match 6, il est pas bon. Le match 6, ouais, il qui, y a personne qui est bon côté côté ouais, Denver, mais ouais. mais clairement on, est, on a les, 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 les inquiétudes qu'on avait sur le banc de Denver bah sur ce match 7 bah là pour le coup on a vu on a vu que ça par rapport surtout au banc de au banc de Minnesota qui, est, qui a été magnifique. Moi ce qui ce qui ce qui m'embête dans cette défaite c'est que et on était le premier à dire ensemble Nico c'est la la précision des fins de match des Nuggets. Là on n'a pas du tout retrouvé ça. On a vu Jokic rater des tirs, on a vu Jamal Murray rater des tirs, on a vu surtout un oubli total d'Aaron Gordon. Ils ne l'ont pas donné la balle. Dis-moi ce que tu en as pensé, Nico, de, de cette fin de match complètement ratée en attaque. Et c'est là que je voulais revenir, en fait, sur l'impact défensif de Rudy par rapport à Ron Gordon, justement. C'est que tout le monde. Ok, j'ai souvent dit Rudy est très bon défensivement, mais c'est pas le meilleur en homme-homme sur un Jokic. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est là où il est très, très fort, justement, sur sa défense, en fait, à contrôler une défense. C'est que. Il arrivait. En fait, Jokic je prenait que des fade away parce que c'est vrai que Nasri et Terns étaient très forts sur l'homme mais il pouvait pas aller dans la raquette parce que tu as l'autre qui l'attendait derrière il arrivait à contrôler, empêcher Jokic avec sa dissuasion mais en même temps arrêter Gordon, il y a une, il y a une, il y a une sé séquence de jeu comme ça où clairement Jokic, Paléoléop, il n'y va pas il contre le, le dunk de Gordon derrière. Gordon mais que 4 points hein. parce que Rudy a eu cet impact défensif justement sur tout la deuxième mi-temps et en fait c'est là où je en vais fait, juste montrer pourquoi en fait, c'est la meilleure défense et pourquoi Rudy c'est aussi, aussi rayonnant dans une défense et que Rudy n'est pas le meilleur défenseur en 1 contre 1 de la NBA. Mais c'est peut-être là, si ce n'est le meilleur défenseur de contrôle, toute une défense, en fait, quasiment lui tout seul en NBA. Et c'est là ce qu'il a montré hier pour moi. Pourquoi les défenseurs de l'année aussi C'est vrai qu'on n'a jamais vu les petites passes lobées pour Aaron Gordon sur la ligne de fond. Je dis il y a... Moi, je dis qu'il y a eu un, un oubli où je vois dans leur regard, où ils ne le, il le regardent même pas et tout ça, mais en fait, c'est sûrement dû à la super défense des, des Wolves plus qu'à un oubli, alors peut-être. Après, ils ont coupé aussi, à un moment donné, on voit que Nikola Jokic le cherche deux, trois fois, que finalement, au dernier moment, il va lâcher parce que ils ont cette relation des fois souvent sur les et euh, sur les coupes de ligne de fond. Ils l'ont plutôt, plutôt bien défendu. Il a raison, Nico, évidemment, sur l'impact de rudy qui, est, qui, est, qui, est mal, qui fait une première mi-temps très moyenne, qui fait une énorme deuxième mi-temps dans, dans, dans l'impact. Après, moi, je pense que oui, Certes, Rudy Gobert contrôle bien les choses et tout, mais je trouve qu'ils ne le mettent pas ils le mettent pas dans le, dans, en difficulté plus que ça. Je pense que Jamal Murray, en, en, en oubliant complètement, parce que c'est lui le meneur de jeu, c'est lui qui remonte les ballons, en oubliant complètement Ron Gordon, de non, zéro play pour lui, d'aller chercher sur des situations où il peut poser des problèmes à Rudy sur de la vitesse, sur de, sur de la largeur, et on l'a vu souvent dans cette série. Eh ben, il, il, il condamne son équipe. Et là, Rudy, pour le coup, effectivement, il a raison, il se met frisette hein, derrière. Hein. Ils sont allés chercher quand même euh, pas mal de plaies pour Michael Porter Jr., ils sont allés quelques play, euh, chercher quelques plays pour KCP, ils n'ont pas été bons, ils ont euh, KCP finit à 0 sur 4 dans la deuxième mi-temps, 1 sur 5 sur Michael Porter Jr. qui met un énorme tir au moment dans la transit, ouais. qui leur fait du bien pour rester en vie. Ils sont allés chercher d'autres mecs qui depuis l'année dernière en tout cas ont, ouais, ont mais... montré dans ce moment-là, ils étaient hyper importants. Ils étaient capables de marquer des paniers comme ça. Qui est avait... le troisième merger des nuggets sur la série bah, en attaque, on peut <coughs> se poser la question. Bah, c'est Aaron Gordon hein, sur la série. Hein. Oui, est... Petite... Ah, non, mais Michael, série, Porter... Pardon, Michael, Porter... Dans en général, Michael Porter Junior fait une petite série offensive. Ouais, d'accord, mais donc et Alors donc plus, tu vas, cas, tu vas oublier ton troisième meilleur joueur. Moi, je te dis, je ne, je... Nico, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, moi, j'ai je... un vrai souci et une vraie incompréhension autour de la gestion de, de... de... de Jamal Murray en deuxième mi-temps. Bah, c'est Edouard ce qui a décidé que il allait arrêter d'être bon, c'est tout. Edouard <laughs> a décidé que voilà, maintenant laissez-moi. Laissez-moi, comment dire, euh, meurer, je l'arrête. C'est ce qui se passe dans les temps Et puis ils l'ont pris tout terrain, ils lui piquent la balle à la milieu de terrain, ils l'ont complètement fait déjouer. Mais ça ils, avaient, était très bien. ils avaient trouvé des solutions à ça sur les deux premiers matchs. Ils ont été, ah, il a été contrarié. A, a, ouais, mais <laughs> c'était pas un match 7, 7, mais au moins ils, je... ils ont trouvé des solutions. Et d'aller chercher ah, ouais. Jamal Murray à bout de 10-12 secondes en, sur des remontées Steiger pour qu'il joue des pick-and-roll dans le rythme, ça, ça leur posait plus de soucis. Et lui, il était plus frais. Il était... Le, à un moment, donné, le ballon qui perd euh, demi-terrain, là, quand McDaniel vient trapper mmh. avec, euh, avec Anthony Edwards, il est tête dans le guidon. Il... Ah, ouais, ouais, moi, il je te tu dis, sais, il a voulu être calife à la place du calife après c'est enfin, à lui de le faire non aussi c'est de lui le meilleur de jeu je je... t'as raison sur le principe parce que il perd la balle et de manière assez grotesque mais bon ils ont gagné comme ça l'année dernière tu vois donc euh... ce qui me gêne avec lui c'est que j'ai l'impression que sa première mi-temps monstrueuse en fait ça, le... ça, le... ça il a, a... j'ai l'impression qu'il a vrillé c'est oh alors il est peut-être pas le star mais c'est déjà meuré tu dois sentir ces choses là tu les as... en plus une série c'est une série en 7 matchs t'es passé par là avant fais-toi oublier quand t'as des mecs en plus qui sont plus athlète que toi, qui ont des plus longs membres, plus longs segments qui te mettent des pressions, tu l'as connu, t'es pas... Fais-toi oublier Et qu'on qu te retrouve, je te dis ça, il fait pas ça sur, les, sur la dernière minute 30, ou effectivement sur les dernières minutes 30, 2 minutes, c'est un money time. je veux que Jamal me monte la balle. Là, il est au milieu du troisième quart tu as le droit de dire, hey, vas-y, venez, tiens. On va, on va refaire ce qu'on a fait sur le match 3 et 4. Et je vais retrouver du rythme comme Ils ça. Ont manqué de lucidité, ça. Complet, complet. complet. Cas, et de rotation. Sûr, les quelques stats qui sont ressortis dans tout ça. Donc c'est la deuxième fois cette saison, saison régulière et playoff. Euh, compris que les nuggets... Marquent euh, moins de 100 points dans un match. C'est leur deuxième défaite leur deuxième défaite avec moins de 100 points donc à chaque fois qu'ils perdent et euh, eh bien ils marquent pas 100 points et c'est arrivé six fois contre les Wolves donc euh, j'ai aimé aussi le fait que euh, Jokic dise que cette équipe a été parfaitement construite pour, pour les, les embêter grand physique etc c'est exactement ce qu'on a senti et on aime bien dire que les, les équipes qui dominent bon bah la manière de, de se construire en anti équipe qui domine et eh ben voilà les Warriors toutes les équipes ont essayé de les battre euh, en étant anti ou dans leur jeu bah, là les, les Wolves on a ce ressenti Nico qui se sont construits de manière à, à un moment donné pouvoir les jouer dans une série et les battre et ils ont réussi leur coup ah bah ben, ils ont réussi leur coup ça c'est vu les deux premiers matchs après tenver euh, a quand même euh, réussi à trouver le truc pour euh, le match suivant mais euh, mais en fait ils sont dans la lignée de leur, de leur saison c'est la meilleure défense de la NBA quoi qu'il arrive coûte que coûte et c'est vrai que quand t'as trois big men qui sont bons pour lancer au meilleur big man de la NBA, justement, ça le fatigue à un moment donné. Il a beau être le, plus, il beau être le meilleur joueur du monde, il est pour l'instant le meilleur joueur du monde, mais, euh, mais tu vois trois mecs différents. Kat, Reed et Rudy sont trois mecs différents, donc du coup, tu vois des visions différentes, des rotations différentes, tu des défenses différentes. Et même si encore il fait des grosses stats hier, l'impact, le lion des émittents, n'est pas aussi grand qu'il aurait, qu aurait pu être, entre guillemets. Oui, il a ses chiffres. Oui, il fait euh, 30, 21 et quelques. Mais il, fait deux, il prend 10-3 points. Jokic tente 10-3 points. Et il prend 13 tirs à 2 points. Sur les 13 tirs à 2 points, peut-être la moitié sont en fade away. Donc sur 23 tirs, tu as, as 15 fades et 3 points réunis. Donc c'est pas des paniers raquettes, flotteurs comme on connaît, ou ces moves. Machin. Il n'a pas eu cet impact-là. Après, le talent en fait qu'il peut mettre des tirs quand même. Mais il n'a pas eu ces 10 hooks, ou ces 10 flotteurs, ou ces mouvements qu'il peut avoir comme d'habitude. C'est vrai il y a, on l'a très peu dit, mais le plan défensif des Wolves a parfaitement fonctionné. Ils ont décidé à un, mo un moment dans la série de passer en dessous sur tous les pics où ils ne voulaient plus qu'il ait la balle euh, Voilà, à 3-4 mètres. Bien sûr que, comme le dit Nico, il y a des moments où il aura la balle. Mais ils vont le battre Enfin, ils vont lui laisser des tirs ouverts à 3 points, du pick and pop. Tu marques, tu marques, tant mieux pour toi, bravo, t'es trop fort. Si tu rates, on aura une chance. Et hier, quand il y a la stat qui sort, là, à un moment donné, 0 sur 7, et il met des briques, hein, il fait des écarts, il est tellement fort qu'à la fin, il en met, il en met deux euh, à l'orgueil, oui, mais... et d'ailleurs, c'est ce qu'il laisse dans le match. Mais ils ont parfaitement réussi leur, euh, leur coup de l'éloigner le plus loin possible du panier. Niko Jokic, qui tire 10 fois à 3 points, bah évidemment que t'as gagné ton pari. Bah surtout quand t'en mets deux, quoi. tu en aimé 10. Oui, mais, ah. mais même Nikola Jokic, qui tire 10 fois à 3 points, il, il... il connaît trop le jeu. Il a... Il, est trop... il a trop un QI. Euh, et élevé pour se pour dire tiens aujourd'hui je vais shooter 10 fois 3 points s'il a shooté 10 fois 3 points c'est qu'il a été contrarié euh, dans ce qu'il faisait d'habitude et donc c'est en ça que je te dis euh, qu'ils ont gagné Nikola Jokic, on l'a vu faire des milliards de choses. Je sais pas, je n'ai pas son record en carrière à 3 points, mais c'est pas un mec qui peut mettre 6, 7, 8, paniers à 3 points. Donc ils ont fait ce pari-là et le faire shooter 10 fois à 3 points, c'est que quelque part ils l'ont contrarié. Parce que Nicolas tu sais ce c'est pas un mec qui shoot 10 fois à 3 points, même les bons soirs. Clairement, vous connaissez la malédiction du MVP Je vais vous la donner, puisque aucun MVP de saison régulière n'a été champion depuis 2015 et Steph Curry. Voilà, Jokic cette année ne sera pas champion en étant MVP. En l'année dernière, deux fois Jokic, il a jamais été champion en 2021-2022. Yanis deux Yanis. fois, Arden, Westbrook et Curie en 2016. La malédiction du, 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 du MVP. Du MVP. C'est incroyable. On, mmh. on pourrait dire un mot quand même, euh, plutôt que parler de curse, euh, je veux qu'on qu fasse un shout-out monumental à Mike Conley. Alors, non, Erwan car on va en parler tout de suite dans la preview de la finale de conférence. Là, on refait. Ah bon, on ne peut pas revenir sur ce qu'il a fait pendant la série. Bah, une... Comme tu es très bon, tu vas pouvoir en parler dans la série, dans la, la preview. Je voulais qu'on parle des Nuggets puisque eux, leur saison est terminée et donc le champion en titre euh, est parti. En revanche, on va pouvoir ouvrir maintenant le débat autour du Mavs Timberwolves qui commence mercredi, enfin dans la nuit de... de... Mercredi à jeudi Oui, c'est ça. Mercredi, mercredi à jeudi. jeudi ouais. Game one de ces finales de conférence. R1, on a vu ces deux équipes l'année dernière à Abu Dhabi. Franchement, quand on les a vus toutes les deux euh, là-bas, c'était inimaginable de les imaginer. En... C'était inimaginable de les voir euh, en finale de conf. Alors, autant Dallas nous avait dégoûté, autant Minnesota nous avait séduits. Tout à fait. Souviens-toi les fait. et hier quand je vois Carl Anthony Towns, quand je le vois dans cette série, je me dis <laughs> il avait déjà les bonnes attitudes début octobre. Souviens-toi, on c'est sait, on sait ce qui nous avait euh, sauté au visage, c'est de se dire. Il, il, il a un truc différent. Il a, il croit en quelque chose. Il est, en tout cas, il est, il, il a un body language qui est, qui est, très cool en tout cas pour ce, pour ses coéquipiers Et je, et on retrouve ça en playoff Alors, il s'est passé du temps entre. Hein, mais entre temps, ils sont devenus meilleure défense de, de la ligue. Et lui, il est, il est titulaire dans cette, dans cette défense là. Donc, euh, donc oui. L'autre côté de s'il y avait, ils sont venus un peu plus en temps, sachant qu'ils allaient derrière à, à Madrid. Ils avaient quand même un, un, un programme, un schedule très compliqué. Mais euh, c'est marrant de retrouver ces deux équipes et puis qu'on le veuille ou non, euh, ça reste une surprise. Hein. Dallas, Minnesota, ça reste une surprise une de les retrouver. ou l'autre, ok. Mais alors les deux, ça reste euh... une surprise de retrouver ces deux-là, ces deux-là en finale de. T'es d'accord avec ça, Nico C'est une, une surprise de les retrouver, de retrouver cette affiche. Bah, je pense que neuf personnes sur 10 seraient surimminent à Denver en <laughs> fin de conférence en début de saison et. Euh... Je ne pense pas que les gens attendaient vraiment Minnesota aussi haut que ça. Je pense que les gens auraient plus attendu Dallas, parce qu'ils ont été en fin de confi à deux ans et ils ont rajouté Kairi entre temps. Donc c'est peut-être un projet qui était peut plus en place que l'année dernière. Euh, ils sortent au premier tour deux fois de suite, je crois, euh, les Wolves. Donc je pense, pas, je pense que c'est plus une surprise. En début de saison, je parle. Mais ça peut être, ouais, je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient prédit, euh, même il y, a, il y a encore 15 jours, 3 semaines, cette fin de conférence-là. Ça c'est clair. Et moi le premier, hein, quand on en discute depuis euh, des, des semaines et des mois, je disais que ce, moi ce projet grand, je n'y croyais pas et qu'à un moment donné, ils vont devoir faire des choix. Ils n'ont fait absolument aucun choix. Ils ont joué grand, ils ont gagné grand. Et je dirais même plus que 48 ans après le match 5 où je l'ai défoncé jeudi dernier, et là il m'a... Mais gros, il fait un match hier de bonhomme des deux côtés du des terrain. Deux côtés du il terrain. a été magnifique défensivement, sur Jokic notamment, mais globalement euh, partout. Souviens-toi quand bah, on en parle offens, même offensivement. Ah ouais, offensivement, en première mi-temps, en, en première s'il si n'est pas là offensivement, ils sont à moins 25. Ah, mais ça c'est clair. Hein. mi-temps. Il joue des il ballons, il, il est, est agressif. Barre, mmh. Ah clairement, clairement. Il a fait un match de bonhomme, de daron, quoi. Moi, ce qui me fait, ce qu qui fait, avec, ce qui me fait kiffer Minnesota, et c'est ce qu'on a dit dès Crudy a signé. On a dit, ok, projet grand. Maintenant le... Le, 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 le vrai test, ça sera en playoff. On verra en playoff dans les money Times s'ils vont s'adapter, s'ils si vont, si vont garder au moins deux grands à deux 10 à chaque fois, s'ils si vont pas s'adapter en, en jouant petit, en mettant au moins un espèce de poste 3 qui joue que ce y Il y a que Calanderson qui pourrait faire ça. Certes, <laughs> mais en tout cas, eux, ils se sont jamais travestis par rapport à leur, à leur philosophie. Ils ont fait venir Rudy, ils ont resigné euh, Nazrid en se disant ils ont décalé Calandronita sur le poste 4 en disant on va jouer grand. Ils l'ont fait en saison régulière. Meilleure défense NBA. On finit troisième à l'Ouest. On arrive en playoff. On arrive de face au champion titres titre avec des money time, de match set. Des... Ils jouent grand. Rudy joue. On se souvient qu'avec Utah, Rudy allait souvent s'asseoir et qu'ils se... Eux, pour le coup, arrêtaient de jouer leur basket de saison régulière et voulaient jouer small ball. Ce n'est pas du tout le cas de Minnesota. Ils imposent leur style, même quand c'est chaud. C'est on gagnera comme ça. Et ça, ça fait kiffer. Ça fait archi kiffer. Ça nous amène tout de suite aux clés de la série qu'on a trouvé ensemble avec Tom tout à l'heure. Et vous allez voir que la première ligne, eh ben, elle sera directement dirigée vers les grands. Voici le face-à-face -face, de la finale de conférence de la conf... West, les clés, la bataille des grands. Et a commencé à en parler, mais on va parler du bras de fer. Qui est le meilleur joueur de la série Très intéressant d'avoir vos avis, même si je peux imaginer. Enfin, Gareth Trouder, Et c'est là où on va pouvoir parler de Michael Lee et de son influence énorme pour le meneur de jeu qui nous régale l'ancien de Memphis et du tard. On commence donc par la bataille des grands. 4-0, c'était contre les Suns, pas 4-2. J'ai pas vu. Sur les parcours, c'est pas grave, c'est une petite coquille. Très bien, Mais on corrige, toujours mieux. D'accord. Euh, du coup, la bataille des grands, Nico. Est-ce que Dallas a ce qu'il faut pour résister au secteur intérieur de, de Minnesota Ça marche dans les deux sens en fait, parce que est-ce que les Wolves peuvent aussi répondre au côté hyper athlétique et rapide des Mavs en, Donc toi, sur la série derrière de Denver, je pense que tout le monde se matchait parfaitement. Chaque match-up matchait t'avais Murray, t'avais men un meneur, t'avais des postes 2, t'avais des postes 3, postes 4, tout le monde matchait parfaitement bien contre Wolves de Denver. Là, c'est totalement différent, j'arrive pas à savoir quelle est la bonne match-up, parce que ces ce deux équipes montaient totalement différents. Et Gafford et, euh, et Lively, c'est des mecs, c'est pas ça court, ça saute, c'est hyper actif. ça défend, ça compte de tous les côtés, donc c'est pas le même style que Yokich Pur, parce moi il n'y avait qu'un poste 5, Ce que c'était Aaron Gordon, le deuxième backup 5. Là, maintenant, la question, c'est euh, cette puissance d'impact d'un P.J. Washington, par exemple, qui a été extraordinaire contre Casey, c'est que Washington, tu le mets pareil en défense sur un Edwards ou tu le mets sur Towns. Tu mets Derrick Jones sur Edwards, sur Towns. C'est cette puissance dans ces... Euh, cette Towns va être la clé, je pense, de cette série-là. Parce que les postes 5, ça va, Rudy va avoir du boulot avec les grands. Donc Rudy ne pourra pas être partout parce que Gafford et Laby sont très, très chiants. Mais c'est vraiment, je pense, la série de Towns parce qu'il doit gagner son match-up. Absolument. Est-ce a... est que Towns a, est la bascule dans cette série C'est intéressant. C'est archi intéressant. Euh, moi, j'ai l'impression que, que quand Carl Antony Towns est bon. Euh, les, les, mmh. les Team Halls sont durs à battre. Et c'est exactement ce qu'on mmh. a vu face, au, face aux champions en titre. Donc, oui, évidemment que Towns va être, va être une clé. Moi, je l'ai vu. Euh... Je l'ai quand même vu défensivement faire des choses qu'on n'avait pas vues. Je, je découvre des choses chez carl antoine que je n'ai pas vu depuis le début de son début de carrière. Cette espèce de, de, de supplément d'âme qu'il peut avoir. Du cœur cette, en fait. De, il voilà, a de, de, juste de, de, du cœur. Il, plus capable de, il a quand même cette main qui, qui, qui fait du ça, bien, sait, de, capable de mettre des grandes filoches, ouais, mais à des moments importants. Ouais, ouais, ouais. À des moments importants, c'est mettre des filoches évidemment, qui, on sait qu'il peut les faire, oui. mais il y a mettre des trois points quand tu es à moins 20, et il y a mettre des trois points quand tu es à moins 11, et que c'est pas bien, et que bam Tu mets deux filoches et que tu reviens à moins 5. Donc. Euh, non, je trouve que tu as raison, il va avoir, il, va, il aura toujours un avantage de taille ou de, ou de, ou de, ou de vitesse selon qui va défendre sur lui. Mmh. Donc, ça va, être, ça va être intéressant comment il va le jouer. Et ce que j'ai bien aimé face à Denver, c'est qu'il a toujours été juste là-dessus sur t'es plus petit, je vais te poster. T'es es, es, es moins rapide, je vais je vais te prendre au large. Je vais jouer dans les fenêtres aussi si, 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 si euh, Anthony Edwards est euh, trappé. Donc, euh, je, je, je te rejoins complètement là-dessus sur, sur sur anthony Edwards, même si pour moi. Euh, là, il va y avoir un duel un d'arrière duel entre euh, Anthony Edwards, Jokic et, et, euh, et Irving, et c'est là où il va Jokic. falloir... Euh, Dontych et c'est Mais, mais, <laughs> mais c'est là, sinon les grands vont être testés, c'est parce que là, c'est contre Phoenix, t'avais que Nurkic. Contre, euh, Qu contre, contre Denver, t'avais que Jokic. Ouais. Là, tu peux, tu peux même lancer Powell dans l'histoire, parce que quand même, c'est pas un mauvais joueur non plus, même si je joue plus. Euh, Lively, il a... Enfin, il peut te prendre 15 rebonds et Gafford, il peut te faire 10 rebonds, 3 contre. Les deux dans le même match. Ils n'ont pas rencontré ça encore en playoff. Des, des deux, deux ou trois big men athlétiques et actifs. Très agressifs. Très agressif au rebond offensif. Et on sait que Rudy, c'est plus compliqué pour lui. Il est, euh, et il... peut-être son petit mignon. Voilà, c'est là-dessus, il va falloir vraiment aller, aller les chercher, les mecs. Parce qu'on sait que sur la verticalité, alors Rudy, il est immense, il va très haut. Mais là, tu as quand même des, as des, as des bestiaux qui partent de loin. Euh, donc, c'est vrai que les contenir au rebond offensif, eh ben, tu laisses beaucoup de gomme. Et on a vu dans la série avant, entre notamment euh, Minnesota et Denver, que. Au plus les séries durent et au plus on voit des. On voit le, le, le KCP quand il oublie complètement l'écran de retard sur, oh, sur 4. Sur à, hein, à, à la fin il est ah, terrible. Ouais, mais parce ouais. que les mecs. Parce que c'est ça aussi. On le dit souvent. Une série playoff, c'est long. Gagner. Battre 4 fois une équipe sur 10, 12 jours, c'est long. C'est dur. Et à la fin, ça se joue sur des petits oublis. Et là-dessus, Dallas. Il va falloir que, le, que, que les Timberwolves soient soit vraiment prêts à ce genre de combat, à ces petits détails, parce que si tu les oublies, ces rebonds offensifs ces claquettes dans la gueule, ou alors ces retours de passe sur, sur Kyrie et si euh, sur qui tu vas redevoir défendre 20 secondes. Bon, avantage énorme à Minnesota, d'après moi, parce qu'on peut discuter autant qu'on veut. Sur Lively, qui a été énorme, vous avez raison, les 12 rebonds offensifs, machin, et sur Gafford, euh, Minnesota doit les matraquer. C'est la première fois que les Mavs aussi vont affronter un secteur intérieur de ce niveau-là, donc euh, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre. Là, ils, ils gagnent le match 6, là, d'un point euh, miraculeux, la faute de de Shea, etc., etc. Les stats au rebond, elles sont incroyables. 31 rebonds pour OKC, okay 47, 47 pour les Mavs. Donc là, on est quand même sur un autre niveau en termes de, de bataille au rebond. On connaît l'importance de ce facteur en NBA. Deuxième question, du coup, dans les clés. Qui est le meilleur joueur dans la série Nico, c'est qui le meilleur joueur entre euh, Kairi, Luca euh, euh, ou Anthony Edwards Ouh, Pas bon. cadeau, je sais, je sais, mais c'est intéressant. À l'instant T je parle aujourd'hui, avec hein, ce qui s'est passé dans la dernière série. Hein. Un millimètre avantage, Edwards. Anthony Edwards, incroyable. D'un millimètre sur Lucas. Alors, qu'est-ce qui te fait dire aujourd ça aujourd'hui ouais, ouais, le... sur... On en parle aujourd'hui. Sur le momentum. Qu'est-ce qui te un fait dire ça, Edwards Dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire ça par rapport à quoi Il impacte des deux côtés. C'est que Gardière. 6 sur 24, mais le taf qu'il fait en défense. Et c'est je crois que et, et puis même, enfin il est, enfin 6 sur 24, mais les tirs qu'il met à la fin, ils sont quand même hyper importants. Et, et puis il est, enfin Luca est extraordinaire. Enfin, je trouve qu'un truc j'ai apprécié sur Luca les deux derniers matchs et qu'il a laissé les arbitres tranquilles. Un peu plus. Il se prend plus à tête avec les <laughs> Un les arbitres. Peu plus. Et si Luca reste, sans fil des arbitres, je te dis Luca, mais faut il faut qu'il me le prouve là au match 1. Mais ça se joue entre ces deux-là. Mais après, c'est la, la préférence. Mais c'est entre ces deux-là. Hmm. Moi, je vais dire, dire Lucas pour, pour déjà pas, pas dire comme toi, Nico. Mais je vais dire Lucas parce que, parce que Lucas, s'il n'est pas bon, ils ne peuvent pas gagner Dallas. Alors qu'on a vu qu'Anthony Edwards, qui n'est pas bon pendant trois, quarts ans, on a vu que par leur défense, par Carl euh, par, par Anthony Towns, par, par Rudy, par la gestion de Mike Conley, on a vu que Minnesota pouvait s'en sortir. Moi, je crois que Dallas euh, a. Il un coup à jouer, mais si, euh, si Doncic n'est pas, pas au top. Voilà ah, pour tu, tu, là, si tu te projettes, parce voilà. que sur la, sur la série que vient de voir, il a été très bon sur les deux derniers matchs avant. Oui, et, et, il était et, dans et, un... et il plie la série. Et c'est lui qui il avait plie. Deux la... deux. Il y avait deux deux. Ouais, mais est... Quand il n'était pas, bon. voilà. il... Il pas bon. Et quand il s'y est mis, bah, il a plie la série. Il, il a fait. quand même ce truc-là, lui, de dire au oh, bout moment donné je vais plier la série. Et c'est ce qu'il a fait contre O'Kessy. Donc, euh, mm. donc moi, je vais dire Doncic. On, on peut rajouter que Lucas, sur euh, la série contre O'Kessy, nous a montré qu'il pouvait défendre. Qui... enfin on l'a vu défendre. Alors ça n'a rien à voir quand Anthony Edwards, on est loin de la pression tout terrain, à, à attraper des ballons dans les mains, mais on l'a vu défendre Nico. Ah non, mais il fait les efforts après. Je ne demande pas d'être euh, Gary Payton hein, Lucas, <laughs> attention. Tu peux pas de toute façon <laughs> je te rassure. <laughs> mais non, mais tu mais, mais il fait les efforts quand même et puis il fait quand même trois triples doubles de suite pour faire des la série quand même. Oui, parce qu'il fait des mauvais matchs ça, mais il est... Est très peu double. Si. Oui, tu as raison. Après ça va être intéressant de voir quand même parce que je pense que alors il y aura Carrie à côté donc ils vont pas pouvoir faire complètement en plein impasse. Euh... Après ils ont les joueurs pour ils, ont... ils vont pas faire d'impasse, hein. tu as Macdaniel et Anthony ouais, Edwards. Ouais. Et, et Mike Conley. Euh, entre ouais. autres. Donc euh, Alexander Walker. Il Alexander Walker. Non, non, Donc pas bon, besoin de faire Ça va être très intéressant pour moi ce duel d'arrière-là. Alors, on a parlé de la bataille au rebond, la bataille des grands. Euh, où est-ce qu'on place le curseur sur l'importance des, des extérieurs Parce que mine de rien, oui, il y a une équipe qui joue avec des grands, mais le jeu de Minnesota, il est clairement, il y fait d'extérieurs. Déjà parce que Towns passe sa vie au large, parce qu'Anthony Edwards joue beaucoup de ballons, parce que Mike Conley est très très bon, mais en face, ça se passe à 200% au, sur les extérieurs. Alors, Erwan, qui va prendre l'avantage dans, dans cette bataille de pick and roll et de. Et D'ISO C'est je, je je impossible, impossible à dire. C'est impossible à dire, honnêtement. Après, euh, ça peut aller sur des préférences, on peut évidemment dire l'un ou l'autre. Mais moi, je vais, alors, je vais faire une réponse un peu suisse. Euh, no offense à Klin Capella et à Tabo Sevolocha. Mais vraiment, c'est pour ça que moi, le, le, le premier match, les premiers, les, le premier carton, les premiers pick and roll, les, les adaptations que chacun va amener ou les, les premières exploitations d'une équipe sur une autre sur les pick and roll, qui va prendre l'avantage, ça va être archi intéressant. Pour moi, aujourd'hui, sur cet aspect-là, il y a Kyrie, Luca Doncic qui sont des rois du pick-and-roll, avec deux pivots qui, qui, qui piquent et qui ouvrent très très haut derrière. Et de l'autre côté, bah, tu as mmh. Michael Conley dans une gestion, dans une lecture fantastique. Tu as Anthony Edwards qui est un avion de chasse, avec Rudy qui est l'un des meilleurs poseurs d'écran euh, qui amène du positif derrière. Donc, euh, wow, bon je... Ah, fait... une belle, ça va une belle série. Assez clair, donc, ouais. Ouais. En fait, là aujourd'hui, pour moi, c'est du... vraiment un secteur de jeu importantissime, mais pour moi, c'est du kiff-kiff buriko. Mmh. C'est 50-50 Un avantage à donner, Nico, Mavs, Woods sur l'extérieur Ouais. C'est compliqué. Hein. Parce que tu peux te dire que les, les Wolves sont en chiffre favori, mais quand tu dissectes bien le jeu des Mavs, tu dis que c'est peut-être la, la pire peut-être pour les Wolves, hein, quand ils pensent. Donc, euh, je sais pas, en quoi, tu dis ça en quoi tu dis que le, ça pourrait être la pire Dans quel sens C'est un peu ce que disait Yoakich. Les Wolves sont construits pour battre euh, les Nuggets. J'ai l'impression que les Mavs sont construits pour battre les Wolves. En fait, ah ouais. en fait j'ai l'impression que tous les deux en fait matchent les erreurs de l'autre, les points faibles de l'autre. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que comme je dis, ils ont, as dit tout à l'heure, les Mavs n'ont pas rencontré une raquette comme ça, mais les Wolves n'ont pas rencontré une équipe comme ça non plus, encore, pas encore. Donc euh ils ont rencontré des équipes qui ne jouent pas forcément vite. De, de Phoenix, c'est sur deux gars, il n'y a pas de grand... Euh, le pace de, comment dire, de, de Denver, ce n'est pas rapide que là. Tu as deux fous, tu as deux génies en arrière, après, tu as que des mecs athlétiques qui courent partout parce que Derek Jones, il faut courir avec lui. Puis du Washington, euh, bah, il peut tirer à trois points, et si tu mets un petit, il bat le post-up. Derrière du banc, tu as des greens, tu as des mecs comme ça qui débarquent. Donc, allez, 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 allez. Et puis, et, puis, et puis sur les deux derniers mois, c'est qu'on le meilleur momentum, c'est les Mavs. Hein. C'est la meilleure défense, sur les deux derniers mois, c'est la meilleure défense de l'NB. Hein. Donc euh, ça va être intéressant comme série. Ça va être passionnant même. Avant de parler de la dernière clé et des, et des codes dans ce match, euh, vous savez que c'est la quatrième fois que Lucas joue les playoffs, c'est la deuxième fois déjà qu'il euh, qu va en finale de conf. Tu penses à des mecs à l'Est qui n'ont mmh. toujours pas passé ce cut là c'est quand même incroyable. Il est dans les temps, en tout cas, euh, Lucas, des, des meilleurs joueurs. Hein, euh, deuxième finale de compte dans la conférence Ouest, quand on connaît l'adversité, c'est un truc de ouf. Euh, J'ai vu cette question tout à l'heure dans le chat. Euh, ils ne se sont pas joués depuis le 1er février. Donc, il euh, y a eu des trades, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des momentum, etc. Mais les Wolves mènent 3 dans leur confrontation directe de saison régulière. Ça vaut ce que ça vaut. Je vous donne euh, pas grand chose. Ça. Voilà. Je vous la donne comme ça, c'est une stat comme une autre. Euh, la dernière clé, c'était Garo Truder. Parce qu'il y a quand même un truc. Euh, surtout côté Wools, euh, côté Wolves, pardon, côté Mavs, c'est que dès qu'on joue à 21h30, on est nul la chier. Bon, a priori il n'y aura pas de match à 21h30. Ça c'est la bonne info. Sur le run de ils, wow. sont, ils ont eu quand même. Ils ont eu des. Ah ouais. Il y, y a eu des non-matchs. Les et deux des... matchs 4, ouais, ouais, y a eu, Déjà. Il hein. y a eu des non-matchs très moches, très 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 très, très moches. Et ça, je pense qu'en finale de conf, il n'y a pas la place pour ça. Déjà, pour Monploff, il n'y a jamais la place. Hein. Les Nuggets, on en fait la, en fait la mère expérience. Mais pour moi, aujourd'hui, faut... ils n'ont pas fait une série où ils n'ont pas, pas eu un match qu'ils où ils, où ils, où n'ont pas joué. Donc là, euh, il va falloir vraiment qu'ils s'y collent. Il va falloir aussi du sérieux. Mais je pense que Lucas a montré l'exemple sur les deux derniers matchs, où même lui, en conférence de presse, il dit, voilà, j'ai plus parlé aux arbitres. Et je crois que... Ça va pour moi tellement se jouer sur des détails que c'est tout à fait le genre de truc où tu ne peux pas perdre de temps. Tu ne peux pas y laisser ton énergie. Tu ne peux pas de prendre une technique en, en donnant des lancers francs des mecs. Tu ne peux pas faire ça. Lucas avait dit euh, après le match 5 qu'il s'était reconcentré sur le basket. Nico, euh, nous on l'avait on avait un petit peu commenté en disant euh, c'est quand même incroyable à ce niveau-là. Mais en fait, euh, oui, bah même les joueurs pendant les rounds de playoff ont besoin parfois de se remettre un petit coup euh, de focus. Bah, et puis quand je regardais le match 5, justement, je crois que c'était sur TNT et... et euh... Et sur chaque coup de sifflet, c'est Reggie Miller qui commentait, il disait à chaque fois, regardez, il ne se plaint pas. Et sur les deux derniers matchs, je ne sais même pas s'il s'est plaint. C'est un peu son truc à Lucas, il regarde les arbitres, je ne sais même pas s'il a fait plus de deux ou trois fois en deux matchs cumulés. Et ça change tout pour lui, ça change tout sur son leadership, parce que je pense que ça doit saouler les gars qui se s'estimait, c'est bon gars, concentre-toi. Et le fait qu'il soit aussi focus que ça, ça change tout sur son leadership et sur l'image qu'il donne à ses teammates et c'est là aussi qu'il s'est vraiment concentré sur le basket en général c'est que le dernier match il fait un triple double à 30 points et il, prend, il fait 9 sur 15 au tir il est propre son game il est propre son game donc s'il joue comme ça s'il reste concentré comme ça ça peut être l'année des bases à l'Ouest, en tout cas. Ça pourrait être l'année des Mavs. Côté euh, Wolves, Aaron mm. a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a un homme qui est vachement important. Crédit à Mike Conley, bien sûr. On l'a vu quand il a été euh, blessé. Il n'a pas joué. On a vu l'impact que ça a eu sur son équipe. C'était le, le match 5. Ça paraît il y a très longtemps. Il a joué ces deux matchs en serrant les dents. Quel impact extraordinaire. Bon, pour un joueur qu'on adore j'ai vu un super truc il disait euh, la différence avec Dion de Russell est-ce qu'il était le problème sans déconner Mike Conley est un meilleur <laughs> joueur que Dilo bien sûr c'est un meilleur meneur de jeu ça c'est euh, clair ça il n'y a, a pas à dire et puis mine de rien quand tu veux jouer grand comme ça même si ton meilleur joueur c'est un, un arrière quand tu veux jouer grand quand tu as, as autant de mecs à nourrir parce qu'il y a quand même des, 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 des bons mangeurs de ballon il, il met de l'ordre il met de l'ordre de partout et en fait moi ce qui m'a ce qui m'a sauté à la gueule, c'est que quand il n'était pas là, ça a été quand même un bon bordel. Alors, le choix de Chris Finch de partir avec Alexander Walker et de ne pas mettre euh, de, 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 de deuxième meneur sur le terrain, c'est Alors qu'ils ont monté Maurice, voilà, ils ont monté Maurice ça m'avait paru curieux. Mais l'attitude qu'il avait même en civil de placer les mecs, de dire fais ci fais ça. Je pense qu'en fait il a une crédibilité dans cette équipe là. Je pense que tout le monde le suit parce que tout le monde sait que si euh, ils le suivent ça va bien se passer. Et hier euh, hier dans le match 7 on le voit encore. Il est, euh, on n'en parle quasiment pas mais en fait euh, je parlais déjà malmereur tout à l'heure qui, qui, qui joue à l'envers, qui ne met pas la balle où il faut, qui oublie des mecs. Bon mais Mike O'Neil ça il ne le fait jamais 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 alors on peut lui reprocher des trucs hein. peut-être il faut mais euh, c'est peut -être le plus, pas le plus c'est le plus c'est pas le plus athlétique mais aujourd'hui ma par contre tu le, sur son rôle de meneur tu ne, le, tu, ne le, tu ne le prendras jamais à défaut sur où on met la balle le timing qui est ici, qui est ici, le match up le bon truc le si le bon play au bon moment tu ne jamais tu ne le prendras à défaut là-dessus et ça je suis désolé ça fait un peu à l'ancienne mais quand tu veux aller aussi loin et quand toujours en plus avec deux grands et un arrière un peu un peu un peu, un peu jordanesque dans dans le profil eh bien, mon dieu que ça fait du bien. Très bien. C'est l'heure des pronos. Avant d'aller sur les cotes Winamax. Euh, je vais vous donner déjà ce que vous, ce, enfin, vos choix à vous dans le chat de YouTube. 73% des gens votent pour Minnesota. Euh, sur euh, Twitch, vous êtes 79% à voter. Minnesota ira en finale. Nico, on va faire nos petits paris dans un instant, mais dis-moi toi euh, en amont, qui est-ce que tu vois euh, Voilà, là on a 50-50. Qui va en finale NBA billet dans, dans deux semaines Objectivement ou pas ah bah, tu dis ce que tu veux. Hein. <laughs> non, je mets du côté de Rudy. Ah oui, je là. Franchement, ah, non, ouais, franchement. Et puis, il fermerait tellement de bouches s'il y va. Je pense qu'il y a des formulaires d'excuses qui devraient être imprimés. Je vois, si euh... bon, donc, juste pour ça, voilà, je mets du côté Rudy. Oui, mais l'essentiel voilà, est ailleurs. C'est ai... pour qui pour, pour, pour Rudy. Rudy. C'est que s'il va, va en finale, euh, après avoir été quatre fois meilleur défenseur de l'année... Euh, qu'il y a une équipe qui est allée le chercher qui est une équipe qui est allée on le chercher avenir, pour hein. jouer grand alors qu'il sortait quand même de deux ans Utah où, où mm. on entendait des grands mais tu peux pas finir des matchs des playoffs avec Rudy il peut pas être sur le terrain blablabla bla, mm. bla, 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 bla. pour, tu pour être champion voilà pour être champion évidemment pour être <laughs> champion bon ben s'il va en finale évidemment que évidemment que de toute façon les mecs ils vont on regarde les matchs, oui. on regarde les matchs et c'est pour ça qu'on aime bien quand, quand des mecs arrivent à, quand des GM ont des idées dans la suite ont des, ont des suites dans les idées et que et que tu casses les codes parce que ils ont cassé les codes. Mais Jacques disait un truc archi intéressant dans NBA Extra aujourd'hui. Il disait mais ce, ce truc de jouer small ball, de shooter à trois points. Eh, hey, tout le monde n'est pas Steph Curry, tout le monde n'est pas les Warriors. Au bout d'un moment, les mecs ils ont voulu Atlanta, ils ont voulu se calquer sur les Warriors. Attends, mais les Warriors, oui, ils shootent à trois points, mais avec les deux, deux des cinq meilleurs shooters de l'histoire de ce sport, avec un, un mec qui un sens du jeu et un défenseur qui s'appelle Draymond Green, des soldats, des trucs, un collectif qu'on a quasiment jamais vu en NBA. Tous les mecs ont voulu les copier, en fait. C est, c est, c est, ça, ils se sont cassés les dents. Et puis, pas qu'un peu. Atlanta, ça a jamais. ils ont fait une finale de conf, mais c'est un échec monumental. Finalement, au basket, tu reviens à la base, jouer avec des grands. Joue avec des grands, et c'est exactement ce que Ministro est en train de faire. Et encore une fois, je le dis beaucoup, bah c'est très agréable de voir, bah de prendre des contre-pieds, de croire qu'on va revenir à certaines bases fondamentales, parce que jouer ce basket des Wars en fait, c'est. Il faut être beaucoup trop fort, et on n'a peut-être pas assez le talent pour ça. Par contre, défendre fort, jouer avec nos grands, faire mal, imposer, imposer du physique. J'aime bien quand on revient à des minima comme ça. Donc voilà, Jacques avait, comme souvent, été d'une justesse. On embrasse. Très bien. Alors, on va regarder les cotes ensemble. Avant, vous savez, que Max est notre partenaire toute la saison, comme toujours. Et avant de découvrir qui est le favori d'après les, les traders, eh bien, vous pouvez nous rejoindre via cette petite vidéo. le sais nous sommes soutenus par Winamax donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets eh bien ça se passe chez les copains de Winamax en collaboration avec Wina nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus important le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre voilà pour une On va découvrir alors plusieurs trucs qu'on allait chercher, qui nous intéressent. Déjà les favoris au titre, parce qu'il ne reste que quatre équipes, R1, On fait la conférence S dans quelques secondes. Mais regardez donc euh, qui est le grand favori d'après les Bookies. Bon, depuis le début, hein, c'est euh, toujours euh, les Celtics. Alors ça, euh, tu veux qu'on aille là-dessus, Ok, ton, très bien. Game 1, favori, Minnesota à, à domicile 1,54, 2,45, Dallas. Mais vainqueur de série, ça m'intéresse beaucoup plus. R1 1,50. Mavericks 2-25 D'après tout Au-delà de tout ça là, Qui va passer en finale Dans la Conférence Ouest Moi de manière très factuelle Je m'attends à une série fantastique Et je veux vois Minnesota Pour deux raisons C'est que Enfin plusieurs Même trois C'est qu'ils ont sweepé Les, les Suns C'est pas rien Même si les Suns Ils ont sweepé quoi Ils ont sorti le champion Ce qui est dans la construction D'un dans la construction d'un projet, dans la, dans, 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 comment tu peux te projeter pour la suite Je pense que ça donne un boost incroyable de taper le champion et le meilleur joueur du monde actuel, et que et qu'ils ont Anthony Edwards qui, pour moi, euh, même pour moi était. Match après match, série après série, il est en train de devenir un monstre, dans le bon sens du terme. Et le storytelling va dans ce sens, hein, le fils voilà. de jeu, etc. Moi, je mets les Mavs qui passent en finale parce que, au contraire, j'ai toujours la crainte, et l'équipe de France 2019 est bien placée pour ça, euh, pour le savoir quand tu tapes, quand tu fais le gros coup, c'est toujours difficile d'enchaîner. Donc, je, je leur souhaite de, de nous sortir encore euh, sept matchs exceptionnels. Ils ont l'avantage du terrain en plus, donc euh, ce serait euh, à Minneapolis. Mais euh, dans, cette, euh, dans tout ça, quand depuis tout à on en discute, etc., je crois que Dallas va passer c'est l'année de Luca parce que j'ai pas répondu tout à l'heure à la question mais je pense que lequel est meilleur joueur de... je vais rajouter pour Minnesota qui Minnesota voyage très bien elle est gagnée trois fois chez le champion en wow, titre wow, wow. aussi bravo de ah, toute façon la série c'est ouais, ouais, un exploit ouais. historique hein, qu'ils sont allés nous sortir bon voilà Erwan est plutôt Minnesota Minnesota aussi pour euh, pour, euh, pour Nico moi je dis plutôt Dallas euh, vous êtes tous Minnesota en hein, 73% et 79% sur les réseaux écoutez hein, maintenant il n'y a plus qu'à ah bah voilà merci Tom les favoris pour le titre à l'heure actuelle les Celtics 1.60 Minnesota deuxième 3.50 donc euh, favoris oh. dans tout ça Dallas 6 50. et Indiana on en parle dans quelques instants 28 qui sera champion de Bier Indiana <laughs> eh ben pourquoi pas c'est médio alors Ouais mais après je veux j'attends de voir le retour de Porzingis quand même côté côté Boston qui va être qui va être importantissime quand on voit le à l'Ouest, euh, qui, qui qui risque de rencontrer si même déjà face à Indiana. Indiana, il y, y a Siakam, il y, y a Turner. Il va falloir s'en. Si, T'as si... envie de parler de ça Ça tombe bien, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il raconte ça bah quoi, Tu me poses une matin, question je te bah réponds. Tu me dis qui va être champion, tu me dis un nom et pas, on enchaîne. Non, 30 ans de pas, métier. c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. Moi. je suis pas, un, je suis pas un mec qui jette une pièce à l'air. Je m'enlis champion. Moi, j'analyse, je regarde les matchs. Je me dis, ils ont adapté, ils ont des trucs. Je suis pas. Je, je, tu m'as pris pour qui là pour un mec qui est très bon sur les conduits qu'aujourd'hui. Alors, du coup, voilà, finale de conférence à l'ouest, la preview, on vient de la faire. On enchaîne tout de suite avec, une, avec celle de la conférence Est, si c'était sur YouTube. Tu, on se retrouve dès demain matin pour, pour la suite des événements.